La compétitivité du commerce sous-régional est mise à mal par les pratiques anormales sur les corridors. Le 21e rapport de l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales, qui vient d'être rendu public, révèle de nombreux manquements sur les routes ouest-africaines. Les marchés publics sont évalués à plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an dans l'espace UEMOA. Face à l'enjeu de bonne gouvernance que requiert la commande publique, la commission de l'UEMOA met en œuvre une réglementation communautaire des marchés publics. Ces dernières décennies, les règles du commerce international ont progressivement évolué, laissant croire à l'existence d'un marché mondial de plus en plus ouvert pour les entreprises de tous les pays. Sous la houlette de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les négociations commerciales internationales et régionales ont contribué à réduire considérablement les obstacles au commerce. Mais en dépit du démantèlement tarifaire qui se poursuit chaque année, les États font de plus en plus recours aux mesures non tarifaires pour protéger de nombreux secteurs de leur économie. On appelle mesures non tarifaires toutes les, disons, mesures en dehors des droits de douane, donc qui ont des conséquences sur le développement du commerce. En général, on les classe en mesures techniques, comme les mesures sanitaires et phytosanitaires. On parle également d'obstacles techniques au commerce. Ça, c'est les mesures techniques. Il y a également les autres mesures liées, n'est-ce pas, au développement du commerce et qui interfèrent. C'est par exemple les inspections au niveau des douanes. C'est également tout ce qui a trait à l'entreposage des produits, mais il y a également d'autres mesures liées aux exportations. Selon une étude présentée récemment au Sénégal, 63% des entreprises sénégalaises évoluant dans l'exportation ou l'importation rencontrent des mesures non tarifaires qui entravent leurs activités. Les entreprises exportant des produits agricoles ou important des produits manufacturés sont les plus touchées par ce type de pratique. On a remarqué que les entreprises, une grande partie des entreprises sénégalaises, n'arrivent pas à se conformer aux exigences des partenaires. Ça, c'est à peu près 40% des problèmes. Mais on a vu qu'une grande partie des problèmes, plus que 60% ou le reste, sont dus à, au fait que l'environnement des affaires au Sénégal nécessite quelques révisions. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés parce qu'aujourd'hui, l'évolution de l'environnement économique international fait que, avec les multiples crises que nous connaissons, les États ont tendance à revenir à une sorte de protection de leurs frontières nationales. Et c'est ce qui explique que les barrières existent. Il faut que les États comprennent que, en dehors de l'intégration économique régionale, il n'y a pas de salut pour nos petits États parce que nos marchés sont tellement restreints qu'il va falloir travailler à élargir les frontières de nos différents États. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à construire le marché intérieur, le marché régional. Dans l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, près de 72% des entreprises sondées sont confrontées à ce type de pratique commerciale alors qu'elles sont 67% en Afrique subsaharienne à faire face dans leurs activités aux mesures non tarifaires en matière commerciale. Le recours aux mesures non tarifaires en matière de commerce est bien prévu par les règles de l'OMC. Invoquées souvent par les États pour protéger leurs citoyens contre l'utilisation ou la consommation de certains produits dangereux, le recours aux mesures non tarifaires tend de plus en plus à protéger certaines filières. À cela, il faudrait ajouter les nombreuses taxes fiscales perçues par les États ou illicitement collectées et qui constituent parfois des obstacles pour le développement du commerce. Si chaque État membre assigne à sa douane nationale des objectifs de recettes,
lesquels objectifs de recettes sont souvent déraisonnables et vont au-delà des moyens réels de ces douanes nationales. Donc, elles sont parfaites. Elles sont obligées, justement, d'outrepasser les normes communautaires en matière d'exportation. Ça, c'est le premier fait. Le second fait, à mon avis aussi, c'est l'absence de normes communautaires ou de modèles communautaires en matière de décentralisation et de comportement des collectivités locales. Nous avons dans notre espace communautaire des collectivités locales qui sont soutenues par les États. Si chaque collectivité locale érige, un barrage d'entrée à sa collectivité, regardez ce que ça fait. OK ? Et in fine, c'est l'absence de coercition dont dispose le secteur privé justement pour faire réparer les préjudices qu'il subit au niveau justement du contrôle des services techniques de l'État. Il faut que les responsables politiques mettent fin à ces différentes pratiques-là parce qu'elles ne sont pas conformes aux engagements qu'eux-mêmes ils ont pris avec les autres États, à savoir avec les 7 ou les 8 autres États de notre espace. Donc nous travaillons à cela et il faut que nous fassions un travail de sensibilisation, un travail d'information beaucoup plus intense. Ces obstacles liés au commerce international ne sont pas étrangers à la chute de la balance commerciale d'un pays comme le Sénégal. Entre 1960 et 2011, soit en 51 ans, la balance commerciale du pays a chuté de 891%. La détérioration des termes de l'échange, mais également les difficultés des entreprises à exporter, sont entre autres les raisons qui expliquent cette contre-performance. L'un des cas souvent évoqués au Sénégal est l'affaire de l'aflatoxine, ce produit présent dans les céréales sèches dont la fixation de nouvelles normes en Europe a empêché de nombreuses entreprises du pays d'exporter des produits agricoles vers le marché européen. La difficulté que rencontrent nos entreprises sur la base de ces mesures, c'est lorsque ces mesures sont trop strictes. Vous prenez l'exemple de l'aflatoxine. Les normes internationales indiquent que le taux qui est acceptable, c'est que cela n'aille pas au-delà de 15 ppm. Mais l'Union européenne aujourd'hui applique une mesure rabaissant cette norme à 4 ppm. Suivant une étude de la Banque mondiale, c'est près de 670 millions de dollars. Du fait simplement que la mesure sur l'aflatoxine, la norme a été rabaissée de 15 à 4 au niveau de l'Union européenne. Pour faire face aux mesures non tarifaires, plusieurs propositions ont été formulées. Elles vont de la nécessité de connaître les règles commerciales édictées par les différents partenaires commerciaux du pays à la création et à l'équipement de laboratoires capables de certifier les produits exportés en passant par l'amélioration de l'environnement des affaires. Tout cela devrait permettre aux sociétés, notamment aux petites et moyennes entreprises qui constituent 80% du tissu industriel du pays, d'accéder au marché international et de se développer à l'instar de ce qui se fait dans d'autres régions du monde.